Le Mali vient de réaliser une progression de 5 points à l'issue de la 5e revue annuelle des réformes politiques, programmes et projets communautaires de l'UMOA. Le mouvement Dogon Bagino So a organisé hier vendredi un grand meeting à la place de l'indépendance. Au Burkina Faso, les gouverneurs et préfets demandent plus de sécurité et de pouvoir. Aujourd'hui, 23 novembre 2019, bonsoir à toutes et à tous. Après les titres, le Mali vient de réaliser une progression de 5 points à l'issue de la 5e revue annuelle des réformes politiques, programmes et projets communautaires de l'UMOA en affichant un taux de mise en œuvre des réformes de 82% en 2019 et contre 77% en 2018. Conformément aux dispositions, l'acte additionnel suscite le président de la commission de l'UMOA, Abdallah Bourema, a officiellement remis mardi dernier une copie des mémorandums adoptés par consensus au premier ministre chef du gouvernement, Dr. Boubou Cissé. Il s'agit des biens de résultats de l'évaluation de la 5e revue annuelle. Au titre de l'année 2019, 113 réformes et un portefeuille de 12 projets pour un montant de 47 milliards de francs CFA ont été examinés par les experts. Ali Koulibaly. Institué en 2013 par la Conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union économique et monétaire ouest africain, la revue annuelle de la mise en œuvre des réformes politiques, programmes et projets communautaires est un exercice d'évaluation afin de parvenir à un développement économique, social et humain de l'espace UMOA. Après les 4 éditions 2014, 2015, 2017 et 2018, les travaux des experts de la 5e revue se sont déroulés du 16 au 18 octobre 2019 à Bamako et les résultats ont été présentés aux autorités maliennes le mardi dernier. C'était au cours d'une rencontre qui s'est tenue à l'hôtel Radisson Blu sous la présidence du ministre délégué auprès du Premier ministre, ministre de l'économie et des finances chargé du budget, Mme Bari Awasila, en présence d'Abdallah Bourema, président de la commission de l'UMOA. On notait également la présence de plusieurs membres du gouvernement, parmi lesquels Boubacar Alphaba de l'administration territoriale et de la décentralisation, Sambou Wagé de l'énergie et de l'eau, Mme Traoré Zainabou Diop des infrastructures et de l'équipement, Mme Nina Wallet Ntalou de l'artisanat et du tourisme, Awa Oul Sidi Mohamed Arbi de l'habitat, de l'urbanisme, du logement social. Le ministre Bari Awasila a saisi cette opportunité pour exprimer toute la reconnaissance du gouvernement au président de la commission de l'UMOA, Abdallah Bourema, pour son engagement personnel et constant, surtout dans l'œuvre de l'espace communautaire. Selon elle, 113 réformes et une portefeuille de 12 projets pour un montant de 47 milliards de francs CFA ont été examinés cette année. S'agissant de la mise en œuvre des réformes communautaires, précisera-t-elle, le Mali avait obtenu un taux de 77% en 2018 contre 62% en 2017, ce qui a permis au Mali d'occuper le troisième rang des pays de l'espace UMOA. À l'issue de l'évaluation de 2019, le Mali affiche un taux satisfaisant de mise en œuvre des réformes de 82% contre 77% en 2018, soit une progression de 5 points entre 2018 et 2019. En ce qui concerne les programmes et projets communautaires, selon le ministre Awasila, toutes les revues avaient conclu à une performance moyenne des programmes et projets en exécution. Ainsi, en 2018, dira-t-elle, l'indice de performance des programmes était de 56% contre 66% en 2017. En raison de l'impact réel de ces projets d'investissement sur les conditions de vie de nos populations, le résultat nous interpelle pour une amélioration de la qualité de leur gestion, tel qu'il ressort des recommandations des différentes revues. Les résultats enregistrés au cours de la revue technique qui devront certainement être renforcés sont aussi jugés satisfaisants grâce à des avancées significatives dans certains domaines. Dans le cadre de sa série de visites courtoisies aux ambassades de chancellerie accréditées au Mali, le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement Yaya Sangaré, a été reçu par l'ambassadeur du Maroc, Hassan Nassiri, le jeudi 14 novembre dernier. Au cœur des échanges, il a été surtout question d'un partenariat en vue de renforcer la coopération entre les deux pays. Commentaire à Sata Maïga.
L'ambassadeur du Royaume du Maroc au Mali, Hassan Nasri, a reçu en audience le jeudi 14 novembre dernier le ministre de la Communication chargé des relations avec les institutions, porte-parole du gouvernement Yaya Sangaré. Cette audience s'est déroulée au siège de l'ambassade du Maroc à l'AC 2000 en présence des membres du cabinet du ministre de la Communication malien. Cette audience avec le diplomate marocain s'inscrit dans le cadre d'une série de visites entamées par le ministre de la Communication Yaya Sangaré au niveau de certaines ambassades et chancellerie accréditée au Mali. Avec l'ambassadeur du Maroc, Hassan Nasri, il a été surtout question de la recherche des opportunités de formation, de voyage et d'échange d'expériences. Sans oublier aussi la recherche d'appui logistique à l'intention des hommes et des femmes de médias, ainsi que les structures en charge de la communication gouvernementale. La numérisation des archives audiovisuelles au niveau de l'ERTM et de l'Agence nationale de la communication pour le développement et la recherche de partenariats entre les organes de presse du Mali et ceux du Maroc ont été également évoqués. L'ambassadeur du Maroc, Hassan Nasri, a remercié le ministre de la Communication malien, Yaya Sangaré, pour cette démarche très salutaire qui permettra de renforcer davantage la coopération entre le Maroc et le Mali, deux pays frères et amis, avant de prendre bonne note des doléances formulées par le ministre de la Communication. L'ambassadeur du Maroc au Mali avait également accordé il y a quelques jours seulement une audience à une délégation de l'Association des éditeurs de la presse écrite conduite par son président Bassi. Il s'agissait d'échanger sur un partenariat toujours dans le but de renforcer les liens d'amitié et de coopération entre le Mali et le Maroc. Le ministre de la Communication, Yaya Sangaré, avait rendu visite dans la même foulée le 12 novembre dernier à l'ambassadeur de la Fédération de Russie et à l'ambassadeur d'Allemagne au Mali. Il s'agissait également de renforcer l'axe de coopération dans le domaine de la formation, notamment le traitement de l'information en période de crise en faveur de la presse malienne et les structures en charge de la communication gouvernementale. Après les trois diplomates, le ministre de la Communication du Mali, Yaya Sangaré, compte poursuivre ses visites à d'autres ambassades et chancelleries. Mouvement Banginso a organisé un grand meeting hier vendredi sur le boulevard de l'indépendance du Mali. L'objectif était de parler de la situation préoccupante sans précédent qui vit le pays de Gao. Étaient présents plusieurs membres des associations. Reportage Maïmouna Koulibaly Ladji Mamadou Traoré. Lors de cette marche du mouvement Baguinesso, le président de l'association a parlé de l'objectif de la marche. Selon lui, la sécurité se dégrade de jour en jour avec son lot de morts, de veuves, d'orphelins, de vols de bétail, l'incendie volontaire de l'air et récolte. Aujourd'hui, l'objectif, d'abord, c'est de soutenir nos chasseurs d'Anna Massagou. De dénoncer certaines choses qui nous fatiguent. Parce que l'hivernage a été sérieusement menacé chez nous. Et malgré tout, on a pu cultiver un peu, à peu près 20% de nos terres cultivables. Pendant l'hivernage, pendant qu'on cultivait, ces bandits venaient et tuaient nos frères dans les champs. On s'est débrouillé, malgré tout, on s'est défendu, on a cultivé. Pendant qu'on récolte présentement, les tas de mines sont incendiés volontairement par ces bandits terroristes. En plus de cela, au moment où les gens sont au champ pour récolter, et c'est en ce moment qu'ils viennent pour mettre du feu dans le champ et brûler toutes nos récoltes. Donc ça, c'est des pratiques que nous ne comprenons pas. Nous voulons attirer les autorités dans ce sens-là pour qu'ils puissent vraiment renforcer la sécurité, pour qu'ils ramènent la sécurité dans notre zone. Un. De deux, nous avons remarqué que Dana Ambassagou, nos éléments qui sont sur le terrain, ils n'ont pas d'autres revendications. Pour nous, seul le Mali compte. On n'a pas d'autres revendications. C'est le Mali qui compte et c'est notre sécurité qui compte. Mais malgré tout, souvent, on ne sait pas si c'est fait exprès ou si c'est des bavures, alors nos éléments sont souvent injustement bombardés par les forces armées du Mali. Ça, c'est des choses que nous ne comprenons pas. La substance de ces recommandations, c'est la sécurisation de nos terres, du pays de Gao. La sécurisation, le retour de l'État, le retour de l'administration dans le pays de Gao. Si jamais l'administration retourne, et la sécurité sera rétablie, nos chasseurs là, ils vont tout simplement rentrer dans la maison et on va laisser la sécurité dans la main des forces de sécurité. Mais tant que ces forces ne seront pas là,
alors nous serons obligés de te vendre nos parents. Cédric Temeli, chargé de communication de Guinée-Dogon, est revenu sur l'objectif de la marche. Nous sommes là encore pour une énième fois aujourd'hui. C'est pour montrer, n'est-ce pas, à l'opinion nationale et internationale, notre cri de détresse. Notre cri de détresse, pourquoi ? Tout le monde sait bien, depuis 2012, dans la région de Mopti en général, et plus particulièrement au niveau des quatre cercles, Bankas, Bayera, Douanza et Kourou, nous vivons dans l'insécurité totale. Nos parents sont tués à longueur de journée, nos bétails sont volés, nos greniers sont brûlés. Encore une fois de plus, c'est un cri de détresse, c'est un cri de ras-le-bol que nous adressons aux plus hautes autorités du pays pour qu'ils puissent quand même prendre les responsabilités, toutes les responsabilités et rien que les responsabilités pour qu'ils puissent protéger les populations et les donner le bien. À savoir que les recommandations du mouvement Baguinesso à l'endroit des autorités est la sécurisation de leurs espaces, le retour de l'État dans son effectivité, la libération totale de leurs frères détenus injustement, l'arrêt immédiat des bombardements de leurs bases. À présent, place à l'actualité internationale. Journée de silence électoral en Guinée-Bissau avant la présidentielle de dimanche. La campagne électorale s'est achevée vendredi soir. 12 candidats sont en lice pour ce scrutin. Malgré des incertitudes fin d'octobre en raison de la crise politique qui secoue le sommet de l'État, la campagne s'est déroulée sans encombre et le vote se prépare. Tout est prêt, selon le président de la commission électorale. Le fichier des 760 000 inscrits sont le même que celui utilisé lors de législatives du mois de mars. Idem pour une partie du matériel, les urnes ou les isoloir. Pour suivre le processus, plusieurs dizaines d'observateurs internationaux seront déployés dimanche. 70 de la CEDEAO, ceux de l'Union africaine, de l'Union européenne, de la communauté des pays de langue portugaise et des États-Unis. Au Gabon, le Conseil supérieur de la magistrature a limogé le procureur de la République vendredi. La multiplication des interpellations et ses gardes à vue dans le cadre d'une opération main propre inquiète l'opposition. On ne connaît pas encore les raisons du limogeage d'Olivier Zaou. On sait en revanche qu'une vaste opération main propre est en cours au Gabon. De nombreux cadres de l'administration publique et parapublique sont en garde à vue, soupçonnés de corruption, de blanchissement d'argent. Le limogeage du procureur de la République en pleine crise est un mauvais signal, estime le opposant Alexandre Barreau-Chambrier. Le président du Rassemblement pour la Patrie et la Modernité doute de l'efficacité de l'opération main propre à l'origine des interpellations en série. Les proches du pouvoir sont plutôt discrets. Pour sa part, Eric Simonzu, secrétaire général du mouvement citoyen, Mon Gabon demande aux tribunaux de rendre la justice au nom du peuple et pour le peuple. Il faut impérativement que le peuple gabonais sache est-ce que l'argent présumé détourné a été restitué à l'État. Et si oui, qu'est-ce qu'on a fait ? En République démocratique du Congo, la situation est tendue dans la ville de Beni depuis jeudi. Vendredi 22 novembre, la population est une nouvelle fois descendue dans la rue pour manifester vigoureusement contre l'insécurité qui s'est installée dans la contrée depuis plusieurs années. Toutes les activités de la ville ont été paralysées. La riposte contre Ebola a même suspendu ses opérations dans l'attente d'un retour au calme. Des barricades dans les rues et en plusieurs endroits, des témoins ont vu des épaves de véhicules en train de flamber. C'est toute une population déchirée qui a déferlé vers la base des casques bleus, où selon les mêmes témoins, les manifestants qui scandaient des slogans hostiles à la MONUSCO ont fait tomber le mur de clôture. Ils ont également décidé de camper sur les lieux jusqu'au départ de ces troupes jugées inefficaces contre les attaques des ADF, ces rebelles ougandais qui, selon les habitants, poursuivent allègrement leur entreprise macabre dans la région au nez et à la barbe des casques bleus. Des allégations démenties sur la radio onusienne par le commandant de l'opération Sukola 1. Pour le général Jacques Chalingonza, la MONUSCO apporte son appui dans les opérations contre les ADF. Des pourparlers sont actuellement en cours entre autorités provinciales et manifestants. Et selon plusieurs habitants de Beni, joints au téléphone tard dans la nuit, la population a décidé de rester dans la rue. La population de Boutembo, qui a observé vendredi une journée ville morte marquée par des manifestations de solidarité avec Beni, située à plus de 25 km, a décidé de se rendre en masse à Beni ce samedi.
Les gouverneurs, hauts commissaires et préfets demandent plus de mesures sécuritaires. Réunis à Ouagadougou dans le cadre d'une rencontre annuelle, les représentants de l'État demandent avant toute chose des mesures concernant l'amélioration de leurs conditions de travail et de vie et l'application de la loi qui leur donne plus de pouvoir pour agir sur le terrain. Tout en saluant la décision du chef de l'État de recruter des volontaires dans des zones sous menace terroriste, les gouverneurs, hauts commissaires et préfets demandent le renforcement des mesures sécuritaires dans leurs différentes localités. Mais le représentant de l'État exige également l'effectivité de la délégation des pouvoirs que leur confère la loi. Sans mâcher ces mots, le chef du gouvernement a demandé à ses représentants de l'État de jouer pleinement leur rôle, c'est-à-dire prendre des décisions en collaboration avec les forces en place sans toujours attendre la réaction au niveau central. Pour les gouverneurs, hauts commissaires et préfets, les réponses à toutes ces préoccupations faciliteront la mise en œuvre des actions de prévention de l'insécurité. Après les actualités internationales, au nom de l'ensemble de la rédaction, ceci met fin à notre édition. Merci de nous avoir suivis. Bonne suite de programme. À vous tous. Au revoir.